La vue à la première personne est-elle la plus naturelle? Recollons les morceaux ensemble. En attendant de jouer à Mirror's Edge Catalyst, vous pouvez toujours aller voir le film Hardcore Henry. Car voyez-vous, le point de vue à la première personne n'a pas fini d'agiter le rapport sémantique entre les médias cinéma, jeux vidéo et réalité virtuelle. Alors le POV, point de vue naturel sur le monde ou artifice piégé qui nous enferme dans une cage de convention? C'est une cage créative fantastique. Vous devez être un pionnier du genre en prenant des risques incroyables. Mais c'est vraiment très excitant parce que pour faire votre scène, vous devez faire les choses bien. Vous avez l'action, vous avez l'histoire, vous avez l'interprétation, le dialogue, l'humour, et boum, vous fabriquez quelque chose de spécial. Parler d'esprit pionnier est peut-être un tantinet exagéré si l'on considère que le POV est une figure de style que le cinéma utilise depuis au moins 80 ans. Le fait de voir à travers les yeux du protagoniste a été à ce point assimilé par le public qu'il arrivait même qu'on puisse voir à travers les yeux d'une main ou de n'importe quoi. Bref, c'est ce qu'on appelle un gimmick, souvent reconnu au cinéma comme un procédé trop artificiel. RoboCop. Et qui, ces 25 dernières années, est devenu la quasi-propriété d'autres médias. La plupart des gens associent le POV à du porno ou à des jeux vidéo. Au départ, je le pensais comme un film qui ressemblerait beaucoup à un FPS. J'ai voulu prendre ce qu'il y avait de meilleur dans la mécanique d'un jeu vidéo et l'intégrer dans une histoire cinématographique à la première personne. J'adore le cinéma et je suis un gamer, alors c'est une lettre d'amour au film et au FPS. Certes, si le jeu vidéo semble avoir institué ce principe comme le moyen naturel de nous mettre dans la peau du protagoniste, rappelons qu'il n'a jamais cessé d'hésiter entre la vue à la première et à la troisième personne. Je pense qu'on a été très très longtemps à la troisième personne et que l'apparition de la première personne, ça a été vraiment marquant avec l'arrivée de Doom. Je pense qu'il y a des genres de prédilection, mais je pense que c'est vraiment un point de vue qui peut être utilisé dans vraiment plusieurs genres de jeux, notamment parce que le choix de la caméra, c'est quand même aussi un choix de quel genre d'information on veut, comment on veut montrer aux joueurs. Zelda ! Entrez dans la légende de Zelda. L'aventure dont vous êtes le héros. Et la starification du personnage tiers, tel que Lara Croft, Link, Niko Bellic ou encore Mario, semble directement liée à leur condition de véhicule. Une identité transitoire qui nous permet d'interagir avec la fiction. Sauvez la princesse. Zelda ! Zelda ! Cela veut-il dire que tous ces persos que nous incarnons à la première personne seraient plus... nous-mêmes ? Que le POV s'imposerait, dans les jeux ou dans les films, comme un système d'identification plus intime, plus direct? Pas si sûr. Donner corps ou s'incarner. Welcome to your new body, Jake. Good. Back around the train, gotta go over it. Sorti en 2013 en tant que jeu à la troisième personne, GTA V a été réédité en 2015 avec l'option première personne. I ain't got time for this shit. Un switch bien connu dans les jeux de course ou d'aviation, puisque si la première personne permet a priori une plus grande précision dans le shoot, la vue extérieure, à la troisième personne, permet, elle, de mieux appréhender l'environnement. Cette dichotomie disparaît-elle avec la VR et sa promesse d'immersion, non plus en surface, mais dans l'environnement ? What took you so long?
shut the fuck up and drive. Même si c'est un first-person shooter, c'est-à-dire un jeu dans lequel je suis le personnage qui joue, mon interface, en quelque sorte, avec ce monde-là, il est plat. C'est un écran 2D. Et j'ai, par les yeux, la conscience du monde réel qui est autour de cet écran. Mon salon, ma chambre, etc. Downtown. Seattle. Dans la réalité virtuelle, le spectateur est au milieu de l'action. Qu'on le prémédite ou pas, on a forcément une part de subjectivité puisque le spectateur est libre de regarder où il veut à l'intérieur de la sphère à 360 degrés dont il est le centre. Après, la question, c'est de décider, est-ce qu'on donne un corps à ce spectateur ? We're not doing well. I've been going in circles for an hour. Puisque si je regarde le film assis sur ma chaise, cette sensation dictée par le message visuel à l'intérieur de la réalité virtuelle va être contredite en quelque sorte par les signaux envoyés par mon appareil musculaire qui diront à mon cerveau « Non, on n'est pas en train de bouger en avant, on est assis sur une chaise. » D'une plateforme à l'autre, le corps du spectateur est diversement sollicité. Come in, I'm in the den. Guess who? Une pure convention au cinéma, une convention prolongée d'une action tactile dans le jeu vidéo, une convention d'immersion dans la VR, éventuellement contredite par l'absence de sensations physiques. What's this? Is this lipstick on your collar? Let me see. Dans chacun de ces cas, la convention lui est imposée non par l'environnement, mais par ce que l'on cherche à communiquer. Dans la conception de jeu, il y a quand même une part d'affirmation de l'équipe de développement sur ce qu'elle essaye de créer. Et c'est forcément lié à ce qu'on veut communiquer aux joueurs. Choice. The problem is choice. Pour prendre l'exemple de Portal, je pense que la première personne, c'est un moyen pour eux de pousser le joueur aussi à explorer l'environnement et à se déplacer dans son environnement pour essayer de trouver les meilleures solutions pour sortir de la pièce dans laquelle il est. C'est donc le choix du créateur qui détermine la convention. Et ensuite, l'étonnante plasticité de notre cerveau se charge de suspendre notre crédulité pour nous faire vivre cet environnement. Un constat libérateur qui prouve que l'essentiel reste à inventer. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Est-ce que je vais être un regard subjectif omniscient ? Est-ce que je suis Dieu ? En quelque sorte, et je peux regarder où je veux, comme je veux, je n'ai pas de corps, je suis totalement désincarné. Est-ce que les acteurs du film, les personnages, me voient ? Donc toutes ces questions sont absolument fondamentales, mais ce qui est très nouveau pour nous, en tant qu'auteurs et réalisateurs dans la réalité virtuelle maintenant, c'est d'apprendre à déterminer, qualifier, dessiner cette présence du spectateur au milieu de l'action. Cinéma, jeux vidéo, réalité virtuelle. Au fil de multiples décennies et autant d'évolutions technologiques, le choix du POV a régulièrement rappelé le rôle actif du spectateur. Pas tout à fait dans son corps, jamais tout à fait dans la fiction. Chacun de ces médias a dû ruser, dialoguer avec nos sens, et s'est retrouvé en définitive à devoir nous faire accepter des conventions, des ponts qui nous aident à passer activement d'une dimension à l'autre. L'élément déterminant de ces expériences passées ou à venir reste notre désir d'accepter, à tous les sens du terme, le point de vue qu'on nous propose.
piano, eh? Sì, piano, però.